Coucou mes petits poulets, bonjour et bienvenue sur cette vidéo de KUF Kingdom Under Fire 2. Donc dans une simple mission qui est une mission de faille concernant le château de Fort Valley, qui est donc en fait une des missions de faille, qui sont des missions répétables sur la journée pour avoir des récompenses pour augmenter ses troupes. Bref, là, ça va généralement se passer comme ça, c'est pas très compliqué. Vous voyez, c'est le bordel comme ça jusqu'à la fin. Donc en fait on va arriver, on va reprendre le château là, qui est en fait, mais là on le voit pas actuellement, mais c'est un château qui est sous siège, avec des petites fights un peu à gauche, à droite, etc. Et nous on va le reprendre pour le redéfendre en fait. Donc voilà, le concept est établi, il est là, il est bon, il est solide. Et voilà, alors ça va se passer de différentes manières, il y a différentes strates, trucs, etc. Mais franchement, ça va pas être très compliqué, on va juste subir un gros assaut et à un moment, un gros assaut, franchement c'est très vite fait. C'est juste que les boss ennemis là par contre, ouais, vont quand même être pas mal. On va avoir des bons gros scorpions de l'enfer là, en mode boss. Enfin bon, bref, du bien vénère. Mais le restant, voilà, ça va se passer de commentaires. Hein. Vraiment, rien de bien incroyable. Ah, un petit critique à 40 000, ça va être toujours plaisir. C'est pas grand chose, on va dire, mais... Allez, sur ce, tous les soldats avancés. Bon, j'ai remarqué que là, actuellement, je n'ai pris que des invocateurs de glace, des fusiliers, des archers, etc., etc. Parce que j'ai ma petite téchonique en arrivant à un certain endroit. Avec beaucoup... Beaucoup simple. Alors, moi, je... Directement, left side. Voilà, donc moi, j'ai réservé mon endroit à défendre, c'est le front gauche. Mali. Donc toi à mon avis, comme il y a déjà quelqu'un qui est sur le front droit, tu seras donc sur le milieu, la porte en fait. Rien à foutre, je vais là où je veux. Hein. Wow, comme tu veux, c'est vrai que d'un côté on peut très bien aller à gauche et se faire très vite le truc là, le scorpidé en fait. Alors, remarquez comment mon PC est difficile, mais c'est parce que je suis en train de streamer en même temps, donc je stream, j'enregistre, et je joue. Donc à un moment, mon PC avec les unités, il a du mal. Et là, en mode, ah, je meurs, c'est difficile, ça va pas. Bref. Tout ça. Normalement, il y avait donc déjà un raid qui est sorti dans le jeu, mais ça je pense que les gens le savent, mais mes fusiliers étaient au corps à corps, bravo les gars. Alors les fusiliers, vous allez ici pour la suite, les sagittaires, vous pouvez aller là. Alors les sagittaires, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, c'est juste des archers. Des archères soigneuses. Et les fusiliers, vous restez bien comme ça, et ça va aller tout seul. Donc dès que le côté gauche, voilà, donc l'ogre il prend cher, hein, les fusiliers leur mettent grave dans la gueule. Donc, moi je me prépare à défendre le front gauche, le front droit est bientôt clean aussi, donc l'armée va bientôt arriver là par les côtés. Moi de mon côté aussi, ça arrivait par la gauche. Ça va arriver donc par le milieu, là il va y avoir une armée pas hyper méga grande, hein, mais un petit truc hein, quand même qui va pop. Bref, rien de bien tendax, je peux savoir. Ok, donc t'as un mec. Non, ok, non, là c'est la désorganisation la plus complète. Il y a deux mecs sur la gauche. Deux mecs sur le left side. Génial, donc n'importe quoi. Alors moi je vais sur le right side dans ce cas-là. Alors sagittaire ici, fusilier ici, et invocateur ici, et moi en plein milieu. Voilà, tout le monde en mode défense, ça va aller tout seul. Bonjour les PD. Ouais, mais évidemment, je n'ai rien contre la communauté homosexuelle, hein, on s'en rappelle bien. Allez hop. Voilà, tous ici. Parfait. Et sprouch, 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 sprouch. Voilà qui veut du sashimi d'orc. Nickel. C'est simple, c'est facile. Voilà, donc deuxième assaut. Encore même chose, hein, des orques par centaines. Et comme vous voyez, les attaques de zone, doublées aux invocateurs qui font aussi des attaques de zone, doublées à la volée, doublées par les fléaux mortiers, doublées par les tirs de fusiliers, il n'y a rien qui passe. Quoi. Voilà, allez, de mon côté, il y a le boss. Mon boss, et là par contre les scorpions c'est beaucoup moins drôle, hein. Putain, c'est beaucoup plus chiant. Alors hop, ramenez-vous tous ici vous. Voilà, allez, tout le monde sur le milieu. Tout le monde,
Ok, ça va, le scorpion prend de joie. Il a déjà perdu une bonne partie de ses points de vie, mais ça, à mon avis, c'est bien quand même, je crois. Le grand dégât, ça. D'accord. J'ai mis ma zone de feu là. Enfin, mon mur de feu dans les unités, il y avait trop de dégâts, ça lague un peu. Ça lague à mort. En mode, il y a trop. Formation. Bah, moi aussi, j'ai des lags. Mais là, j'ai des lags du. Le fait qu'il y a des fois trop. Oh, les incendiaires, ça fait trop de damage. Les incendiaires alliés font énormément de dommages. Mais en fait, mon gars, je crois que t'es aussi le seul sur le milieu là. C'est facile, je t'ai dit, il n'y a pas deux mecs sur le milieu. C'est. Je crois qu'il y a un mec qui bête pour le scorpidé à droite là, un autre mec qui va après on va aller sur la gauche, c'est pas ça, c'est la même chose. Ouais, j'essaierai que tout le monde me laisse dans ma merde. Ouais, bien sûr. Ah, parce qu'on sait que tu vas assumer, tu vois. Là, on sait que t'es un homme de confiance, avec des principes. Tu vois, je veux dire. Bon, bah t'es un homme avec des couilles quoi, tu vois. Ouais, toujours les couilles pleines, c'est sûr, mais en tout cas avec des couilles quoi, des roses, elles sont bien grosses. Aïe, putain, j'arrête pas de me prendre des miches du scorpion. Chaque fois, si je refonce sur le scorpion, il me rebalance au loin en mode aaah! Et je reviens en mode coucou. Bon, ça va, ça clean. Sans déconner, les pyromanes, ça a l'air d'être abusé contre les boss. Hein. Ouais. En fait, ça a l'air d'être abusé contre ce qui ne se fait pas bon, tu vois. Je regarderai ça après l'enregistrement. Scorpion, tu veux bien me laisser passer et te mettre une miche ou ça va se passer comment? Voilà. Voilà, allez hop. Bon, je vais le scorpion. Je viens t'aider sur le milieu. Ah oui, mais il y a beaucoup d'orques hein, chez toi. Ouais, bah oui, là, je fais ce que je peux. Je clean, là je clean en fait, c'est la deuxième vague qui arrive. La vague ouais. Du boss. Ouais, plus les unités d'archers qui te balancent, ouais. J'arrive, allez, j'arrive! Avec mes propres unités au loin! Ah oui, bah c'est ce que je me suis dit en fait. Hein. Je me suis fait putain, Mali, il reste vachement en combat là. Rien à foutre, tu vois, peur de rien. Bref. Quel homme! Bah non, moi le scorpion, j'arrive à le gérer solo. Hein. C'est pas la première fois que je le fais en solo. Pas au mid. Pas les côtés, tu le fais en solo. Ouais, c'est ça. Le problème du mid, c'est parce qu'il y a. Il y a trop de people. C'est vol aux troupes à côté quoi. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas belges, vole ça veut dire full quoi, tu vois. Et on dit vole gaz, vole truc muche, enfin ouais, c'est comme truc muche, je savais pas ce que c'est non plus en fait. Donc, bon, il y a beaucoup, voilà, c'est tout. Aïe, je me prends des coups de pince mon gars. Allez, hop. Ça va, ça clean. Toi aussi, tu reçois des tas de petits coups de flèche comme ça en mode. Des petits points de vie ouais. Qui perdent un peu au fur et à mesure. Ouais, bah moi aussi. Oh putain, mais plus les lancers de hache, c'est horrible. Tenez la ligne, Malino, tenez la ligne. Alors là par contre, je vais pas bien, donc hop, point de vie. Je te laisse 2 secondes gérer les scorpions avec les unités. Moi, je vais aller choper un peu tout le restant là, il commence à me casser les couilles. Attends. Salut. Oh putain, je vais me prendre des damage. Et hop, tout le monde ici. Bah il est dessus en fait, je crois, non? Ouais, il est dessus. Voilà, ça c'est fait. Tout le monde est dessus? C'est ça? Je crois. Ah non, il y a encore le scorpion à l'arrière qui est encore full de points de vie en fait. Bon, voilà, bon, une bonne partie des pélos c'est terminé. Ramenez-vous tous ici, voilà. Buda. Oh non, mais lâche-moi le scorpion par contre. Je sais pas si t'as pas remarqué, mais moi, je suis pas vraiment ton ami en fait. Hein. Buda. Ah non, c'est parce que je crois que les incendiaires sont sortis avec nous en fait pour choper les scorpions. Enfin, incendiaires ou pyromanes, je crois que les incendiaires c'est ceux bleus et les pyromanes c'est les mauves, je crois. Bref. Et le scorpion ramasse beaucoup plus de dégâts si tu frappes dans son dos. Ouais. Oh, il est chiant. Bon, enfin, sa tête. Ouais, mon petit problème, c'est peut-être que je fais beaucoup de d'AOE, en fait, j'ai l'impression que je frappe pas sa tête, en fait. Que le coup commence toujours sur une de ses pinces, tu vois. Peut-être. Donc moi, je suis obligé de vraiment frapper recta dans son cul, en fait.
Sinon, je lui fais rien. Le problème, c'est quand t'es seul contre lui, ben frapper dans son cul, c'est un peu compliqué. Non, parce que monsieur aura toujours la superbe idée de se retourner pour t'en mettre une. Tu prends cher comparé à moi, j'ai l'impression que tu... Ah, je sais pas. Alors là, je vais recevoir un... Je t'expliquerai après. Pas dans un enregistrement, hein, pas dans une vidéo. Pas dans une vidéo. Bon, allez, sur ce... Ah non, il y a rien de vraiment spécial, c'est juste que bah, ça n'a rien à faire dans une vidéo KUF, quoi, c'est tout. Tu vois, c'est des choses, il faut parler, c'est entre amis qu'on parle de ce genre de choses, tu vois, c'est bref, frappe-moi Scorpion, tuons-le. Ouais, faut lui taper dans sa queue, t'as dit. Un peu dans sa queue. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est difficile. C'était très dur. Ah, c'est ça. On abandonne. Hop, suivante. Il faut... Putain, on est qu'à 56. Ah, donc encore 3, quoi. Ouais. C'est ça, quoi. Non, allez, sur ce, mes petits poulets, on vous fait très gros bisous et on vous dit à la prochaine.